Et voilà, un tout nouveau film réalisé par Michael Bay sur Netflix. Et un film qui n'est pas Transformers. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce du film Six Underground, le nouveau film de Michael Bay avec, en tête d'affiche, Ryan Reynolds dans un film Netflix. Un film d'action policier qui sortira le 13 décembre sur Netflix et qui a l'air assez fou. Je vais vous lire le résumé. Quel est le meilleur avantage d'être mort? Ce n'est pas d'échapper à votre patron, à votre ex, ou même d'effacer votre casier judiciaire. Ce qu'il y a de mieux avec la mort, c'est la liberté. La liberté de lutter contre l'injustice et le mal qui rôde dans notre monde, sans que rien ni quiconque ne vous arrête. Ces individus, issus des quatre coins du monde, tous les meilleurs dans leur domaine, ont été choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur désir unique d'effacer leur passé afin de changer l'avenir. La bande est réunie par un leader énigmatique dont le seul objectif est de s'assurer que tous tomberont dans l'oubli, mais que leurs actions, pour sûr, leur survivront. C'est parti donc, allez, on commence tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Six Underground, deuxième bande-annonce, c'est parti. Ouh, tourisme italien. Italy. Embark on an adventure to the world's most exquisite destination. Sans voste, désolé. Of preserved history, incomparable beauty, and unparalleled tranquility. non, pas du tout. Oh, yes! Salut Deadpool! Oh, oh, oh putain de merde! Oh, ah ouais! Putain! Oh là! Wow, Michael Bay! Oh putain. Oh. 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 What? Ooh. Oh, whoa, whoa, whoa. Not the David. No, no, not the David, not the David. You want to get out and compare, or should we maybe think about going? Yeah, this holiday season, start your adventure in Italy. Hola. I love Italy. Stylé. Cool. Alors voilà, je suis très content parce que c'est très drôle. Ça ne représente qu'une scène de film. Alors oui, ça peut être énervant parce qu'on n'a pas vraiment de scénario dans cette bande-annonce. Et bien c'est tout à fait le cas et c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les bandes-annonces. Ne pas trop en dévoiler sur le film. Là, il nous montre un montage d'à peu près 2 minutes de bande-annonce, mais ce sera une seule grande scène du film. Ça va pas être 1h30, voire 2h de course-poursuite dans les rues d'Italie. Il nous en montre assez pour voir que ça va être un film d'action, un film assez drôle, parce qu'il y a Ryan Reynolds, et c'est drôle.
On l'a vu, ça explose de partout, il y a des morts de partout, et c'est absolument génial, j'adore cette bande-annonce, je veux voir ce film tout de suite. Ah non, c'est vrai, il faut attendre le 13 décembre. Eh ben, je veux voir ce film le 13 décembre. Ça, c'est beau. Avec Michael Bay et toute cette action, on dirait Fast and Furious qui rencontre Transformers. Oh, Six Underground. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Freezed, coupé.